Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour... ils te connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper de... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi? Quelle opération? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire... Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout. J'ai dit debout. Allez, avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté? Ou avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est? Où? Tout au fond. Dernier étage. Où est l'étage? Ah!
chasseur, il est là! J'arrive, Ellie.
T'as vu ça? Sur le passeur, terminé. Voyez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir. Ne... Espèce de mort. Carrie, tu vas la fermer. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Ça va aller.
Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Je te l'ai jamais dit, mais Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivés. Très loin. Là, je te tiens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule.
Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... elle m'a dit... on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... quoi qu'il arrive... tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Thank you.
Fellow is dead.